Bien, salut à tous et à tous, le gars, Retro Gaming, comment ça va? Moi ça va super aujourd'hui, on se retrouve pour mon tout nouveau let's play qui remplacera Squib and Load Unlimited parce que le jeu ne m'intéresse tout simplement plus. À la fin ça devenait... casse-couille, c'était tout le temps la même chose. Bref, je laisse les vidéos sur la chaîne, mais j'ai décidé de remplacer ça par Super 4. Voilà, faut savoir que j'ai pu jouer depuis plus d'un an. Donc voilà. J'ai essayé de recréer un nouveau compte, mais ça ne marche pas. Donc on va aller à une chapelle. J'essaie de créer un compte avec Facebook, avec tous mes comptes Google, et ça me casse pas la même chose. Donc voilà. Voilà mon compte. Alors. Le jeu, c'est un jeu de cartes, là, oui. Sur l'univers de WWE. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir la saison 1. Le catalogue de cartes. Femme de saison 1, femme de saison 2. Accepte là. Pour gagner une carte pour chaque superstar que vous battrez. Ah, ça c'est bien. Avec les éléments de travail. Manning Grand, Exhibition, qui n'arrive à rien de voir. C'est pas que Nostalgie qui, c'est pas. Ok, c'est sur les vœux, ça. Ok, mes cartes. Alors, si vous voulez, je vais vous les montrer toutes. Ça, c'est de la saison 1. Nous avons différentes cartes. Là, c'est des cartes bonus, on peut appeler ça comme ça. Par exemple, à l'échelle, ça donne plus de vitesse. Et il y a différentes cartes. Les griffes, c'est les courantes, les plus courantes, les rares, les super rares. Et puis... Alors, regardez, les gars. Courantes, peu courantes, rares, super rares, ultra rares, épiques, légendaires, survie, vente, Westermania et Summer Claim. Donc Yosh, c'est bien qu'il a des Western Mania. Peut-être qu'il vous présentera le jeu, je sais pas. Donc là il fait plus 10. Poleman il fait plus 5 en puissance et 5 en charisme. Voilà, Panestop. Le Pumpito. Voilà. Ça c'est une bonne carte, plus 7 dans toutes les stats. Après nous avons Summer, c'est de la saison 1, j'ai gardé mes cartes saison 1. Donc voilà. Voilà, Summer est en courant, Lily, Darignan, Grosseur, Natalia. Oui, il y a des cartes filles qui sont plus fortes que les garçons. Grosseur, Grosseur, Gemmer, Dean Ambrose, Jackson Snake. Et si vous voyez, il y a des petits losers jaunes et bleus. Mais en fait, il faut que, par exemple, lui et lui en équipe, ça fera plus. x2, si on a deux de la même couleur et du même sens, ça va, mais si on a deux pas de la même couleur, ça divise, enfin les stats, ça donne un mal. On a donc Luke Harper, Serge Flotter, Batista, Edge, et là ils ont certains trucs, là ils ont pas, mais certaines vertes ont par exemple la plus 10 en robustesse, plus 10 en charisme, voilà. Rare, c'est trop long. Fandango, Kertening, Ken, Alberto Del Rio, Xavier Wood, Goldush, Eric Towan, Daniel Bryan, Brock Lesnar, Randy Orton, Chris Jericho, Dean Ambrose en pro. En pro, c'est quand on combine deux cartes. Donc voilà, quand on a deux cartes, on peut les combiner. Bray Wyatt, Eva Marie. Ah oui, et aussi pour vous dire. Là il y a une jauge, et là elle est 14 sur 20, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus forte. Voilà, donc, voilà par exemple là nous avons les Alberto Del Rio qui est en 15 sur 20 et qui est beaucoup plus fort. Voilà, Undertaker, c'est une de mes divas préférées qui est en pro et c'était une spéciale qu'on gagnait dans les... tournois qui n'ont pas.
Nous avons Cody Rhodes, rare pro. Là, nous avons Superstar Jimmy Uso et Hulk Hogan qui a quitté la WWE. Voilà. Bon, là, on passe à de la saison 2. Nous avons Univers, WWE, panneau stop, table, pumpy top, second souffle, Eva Marie, Victor, Islet, Fandango, David Antunga, Idan Itami, Colin Cassidy, Ryback, Natalia, Randy Orton, Booker T, pas R2, John Cena, Singara un peu commune, un peu courante, Fandango, Emma, Jack Swagger, Samore, Seamus, Rousseff, Dolph Ziggler, Roman Reigns, Randy Orton, puis voilà, Gemera, Seamus, et là il y a, ah oui, c'est en bas la jauge 0 sur 4. Ça fait plus d'un an que j'ai plus joué au jeu, donc je redécouvre mes cartes aussi. Rousseff, Batista, Roman Reigns, Brock Lesnar. Ça, je pourrais combiner. Mais bon. Daniel Bryan, The Rock, Summerer encore une fois. Eve, ça fait longtemps qu'elle venait plus de New Catch. Ça me doit faire 5 ans. Shawn Michaels qui est mon champion pour l'instant. King of the Ring. Dean Ambrose, Undertaker, Roman Reigns et John Cena que je vais définir comme mon champion. Voilà, donc on va un petit peu jouer pour vous montrer comment on fait. On va faire une exhibition. Donc voilà mon deck. Comme vous pouvez le voir, j'ai tous mes super rares, j'ai du nombreux que j'ai mes deux super rares. Et là, vous choisissez ce que vous voulez battre. Et aussi, là, à chaque fois que vous avez des cartes, il y a super rares, c'est aussi. Je vais augmenter considérablement la probabilité de gagner des cartes super rares en rejoignant cette édition. Ultra rare, plus, épique, plus, légendaire, plus, survivant, plus, Westermania, plus, Summerslam, plus, et Summerslam, plus. En attendant, en augmentant les cartes, en ayant des cartes beaucoup plus fortes. Donc voilà. Je comprends ce chien, c'est quoi? Ouais, ok, ouais. Donc voilà, nous avons tout ça. Par équipe, normalement, c'est soit Dean Ambrose Undertaker ou John Cena Undertaker et puis le fil là. On va se battre un peu. Pour certains, ça peut être gnon le jeu. Enfin, pas très bien, mais bon, voilà. Pour moi, voilà. Voilà. Hop. Alors, Diva, robustesse, vitesse, c'est celle qui a le plus de robustesse et vitesse. Donc, on va mettre Eve. Ok. Je vais me battre. Ok. Ah oui, il y a le truc plus 7 à tous les joueurs. Tag team puissance. Donc là, je mets plus 7 à tous les joueurs. Je ne sais plus c'est qui. C'est quoi? Non, on va essayer. Allez, on va mettre 10 nombres. Ah, toutes les stats à mes deux joueurs. Ah ouais, eux voilà, ils c'est pas compatible, ouais. Je pensais que ça donnait à tous les joueurs. Robustesse. John Cena, pro sur l'affaire. Hop, t'as continué Westermania. Deux, bah j'ai perdu. Et là, je peux piocher une carte. Comme que. Un peu courant. Vraiment décevant. Et sinon, pour vous montrer les bonnes nombres de jeux, parce que voilà, c'est quand même le premier épisode. Et ça, ça va bien. La Charlotte, Ingara, Xavier Wood, Youssef, Seth Rollins, Triple F, Cesaro, Sheamus, et je vois pas c'est qui. Rose pour la voir, ça va bien. Ouais. Là, faut que je gagne autant de matchs et j'ai cette carte-là. C'était tout, j'avais pas vu. Ah, Billy. Billy, c'est ma prime.
D'ailleurs, j'ai pas encore vu, si j'ai vu sur ma chaîne, en fait, j'ai pas vu tout. Voilà, là on peut choisir contre ce qui se bat, donc c'est à chaque fois plus 5 points, plus 2, 3, plus 1. Donc voilà, j'ai décidé de me battre tout de suite contre un plus 5. Là on me donne dans mes pioches aléatoires. Donc voilà, c'est ça qui est... Ah ben là, la même que moi. Ok, c'est lui qui a gagné. Tac team puissance. Ok. Peut-être que là j'ai ma chance. Voilà, j'avais ma chance. Et là en puissance. Voilà, c'est souvent facile parce qu'ils n'auront pas des cartes très très fortes. Donc diva. Oh, Page. Voilà, c'est de 2. Tac team puissance, robustesse. Ça va, on se bat contre une peu commune et une courante. Puissance. Contre une courante. Bon, là, normalement, on a gagné le match. Puissance. Ouais, j'aurais pas dû mettre lui. Robustesse. Je vais mettre Chemus parce que voilà, déjà il me semblait qu'il allait avoir une carte un petit peu nulle. Et puis s'il y a le tag team, voilà. Bon allez, on va mettre un drone, ça super rare. Oh, charisme. N'augmente pas ton charisme. Ok, normalement là je gagne. Allez. 11-2. Et là on peut voir la petite... célébration à la fin. Là, je peux prendre 6 cartes. Alors, le truc se réinitialise quand on a une rare. À partir d'une rare. Ou d'un match pour le titre, il me semble. Un match pour le titre, ça double. Donc là, j'aurai pour 10. C'est pas plus mal parce que voilà. On va faire surtout ça parce que je gagne beaucoup plus de cartes. Et puis voilà. En vitesse. Faut que je garde lui pour le... Ok. Bon, pour l'instant il est en train de gagner, je voilà le tactique. Voilà, c'est pour le tactique que je fais ça. Je pense qu'on fait certains sacrifices. Tactique, voilà, on va mettre. J'aurais pu mettre bien sûr cette tactique là, mais voilà. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pareil. Et j'aurais peut-être pas pu utiliser mon bonus, mais voilà. Il semble qu'on utilise un bonus, ça fait déjà des trucs et tout ça. Puissance diva, donc j'ai obligé de mettre elle. Parce que sinon, je pourrais pas faire attaquer, mais de toute façon, ça va être égalité. Voilà, parce que là maintenant. Oh, ça me réveille Natalia. Vitesse, ben ouais, voilà, je vais gagner.
Ok, merde. Le tactile, bah, je suis obligé. Ah bah, lui, pareil, de toute façon, voilà. Divin. Oh, c'est mauvais contre moi. La puissance, même si Marc-Henri a des capteurs les plus forts, l'homme le plus fort du monde, comme il s'appelle, et James a quand même gagné. 9-3. Moi, ouais, c'est quand même bien. Ok, je vais finir. Et là, comme j'ai eu un match pour le titre, bah, je suis fait Michel Dior, quoi. Là, je vais modifier un petit peu mon deck, surtout au niveau des divins. Surtout au niveau des échanges. Voilà, avec Charlotte. Mais tu t'aimerais. Il faut l'échanger avec Chineuf. Il a le Chineuf avec lui. J'ai vu quelque chose. Rousseff, on va t'échanger contre Rousseff. Hein. Voilà, là j'ai une bonne équipe. J'ai une carte comme ça. On tente quand même le coup. Alors oui, je jouerai des fois hors ligne. Enfin, par vous seulement, ça me va. Il y va carrément. Ah d'accord, au bout du mois, mon carré. Macholo charisme. Lui. Est-ce que si jamais il y a ta team, c'est mieux de. On a charisme aussi. T'inquiète pas. J'en ai deux, c'est charisme. Et encore charisme. Le rêve, vous avez été 3, 4 charisme. Il va pousser ses charismes encore. Quand tu fasses ça, ben. Ouais, ça va bien. En charisme, on va mettre The Rock. En plus, il gagne un bonus de charisme, donc voilà. Il sort avec charisme. Donc, le snare, même si c'est pas le plus charismatique. Ah, en vitesse. Ok, il me bat. Parce que là, il a vraiment deux manies de bain. C'est à lui, de toute façon, il sera réfait. Il en prend comme une rose. Attaquer une vitesse, il me faut lui. Et on va prendre Batista. Voilà, c'est tout ça. Bon, ça peut devenir un peu. Il faut que celui-là, la fête, l'appuyer. Voilà. Captain Diva contre Rosa Mendez, Soran et Sommeret. Et puis Sommeret et Eve. Je vais prendre comme vous. Captain Vitesse. D'accord, Booker T et Cesaro. On voit tout le temps quasiment passer les mêmes cartes. Parce que là, il y en a plein qui ont les mêmes cartes.
pioche. Allez. Ah non, mais... Okay. On va mettre du full deck. Est-ce qu'il n'y a pas une... Ah si, Naomi est up un peu ce que son oreille. Ouais, j'ai déjà son oreille en même temps. On va mettre Naomi. On va aussi améliorer avec des trucs. On peut entraîner la carte par exemple avec voilà, ça la robe. Mais bon voilà. Comme elle veut pas échanger, ben, on mettra Naomi plus tard. Non merde, j'ai pas appuyé sur le sec. J'ai appuyé sur le A ou sur le 3. Mais de toute façon on aura Singaras et on gagne un sec, donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette série vous plaira et c'est contre Callisto. Et c'est là où tu dis qu'il y a deuxième et deux plus fortes cartes. Pour lui pas, c'est fini de mettre Daniel Bryan que c'est notre mission. Et pour la robustesse, c'est mieux Daniel Bryan que. C'est mieux sinon que Daniel Bryan, donc voilà. Carré-vu. Qui est mieux que John Cena au carré-vu? D'ailleurs, cette série va me faire remettre au catch. Parce que voilà, ça fait longtemps que je me suis plus entraîné au catch, cet Andorien. Et parce que je suis du catch, ça m'a tout mon train de bonhomme, je sais, vous ne faites pas ça chez vous. Et voilà, c'est ça depuis. Le plus suivant maintenant, donc voilà, on a l'habitude, c'est tout, c'est Cameron, c'est tout, j'ai pas vu, tout, on va mettre lui, bon voilà, on va faire ça, mais finalement, bah, comme je vais passer parce que si les gens m'en a, bah, c'est la joie, on va une fois dans les bois, bah, je tombe malade, donc voilà, c'est bien. Match robustesse, on va mettre une parce qu'il pourrait pas faire de sa team après. Voilà, tactique. Pour même si. Voilà. Je sais pas si c'est le réseau ou si c'est l'ordinateur. Normalement, il m'a mis quoi? Il m'a mis sans faute. Normalement, je dois avoir une meilleure pioche à piocher. Ouais, 7. Waouh, une chose de plus. Ah, pour le coup, hop, ça se met. En train de me dire. Voilà. On va modifier le deck. Tu veux toujours pas t'étendre. Par contre, toi, on va t'améliorer. Oui, j'améliore John Cena. On va faire ça. Le cœur Murphy. Je connais pas. Voilà, je prends pas les autres parce que les autres viennent dans le frappe natal. Voilà.
Non, on va pas l'utiliser. On utilisera pour le dernier match. On va faire un petit match dernier à 10. Donc voilà, ça va rapidement quand vous avez des... quand vous jouez que 5, que 10. Donc ici par je pense que c'est 5. Et c'est mais voilà. Il y va en puissance. Voilà. Normalement, avant, je me souviens que quand on allait dans 5, on se faisait mes beautés le cul. Il y avait les gens, voilà, qu'avec des super rares, des légendaires, et tout ça. Et maintenant, bah, voilà. Attends, j'arrive, il a monté en pro, ça, en courant, oulala. Mais on va venir. C'est maintenant, ça va être beaucoup dans le jeu, voilà. Taxi. Oh, chômage et le rock, c'est un art, contre chômage et le rock. C'est pour les gens qui sont abonnés, qui après qu'ils fassent leur bonus. C'est pour réanimer. Pour pas faire de trucs, donc voilà, c'est une logique, mais bon. Carrément. Parce qu'en utilisant leur bonus, par exemple, de plus 7, bah ils. Et après qu'ils perdent 7, bah. Ils peuvent dire, ouais. Bon. Oh, Cameron Consumer, ouais. C'était quoi? C'était qu'un rêve, il me semble. Divin. Encore, j'aimerais qu'on reçoive Mendes. Richesse, c'est pas une info. Oh, André le géant, le français qui est mort, malheureusement. Xavier-Wool de oui pourquoi pas pour avoir une super rare de plus. Bon Xavier-Wool c'est pas Fernando. Côté je dis pas mais c'était Fernando. On va encore modifier le deck. C'est lui la plus. On peut pas le changer comme ça. On a pas lu. Lui. Il a changé contre Tinker. Allez, on a dit seulement de tous les risques. Hop, allez, plus vite. En fait, ça sera monté à 33. Mais si j'avais fait l'autre, c'est vrai que ça m'aurait monté à 3. Ah non, pas à 33, à 13. Et quand on aura fait monter à 13, donc voilà, j'aurais gagné que 4 matchs après, donc voilà. Et après, on s'arrêtera là. Ok, j'ai 84. Alors, on s'en va plus. Primova, c'est pas une catcheuse à la base que j'aime, mais voilà. En tant que préférée, c'est elle s'habille juste parce qu'elle a le. Elle s'habille en l'été. Je sais pas pourquoi, j'adore ce personnage alors que je n'ai jamais regardé le film, j'ai jamais regardé le film Batman. Voilà. Ok, Nikki Bella, sœur de Brie Bella. On pourra dire tout ce qu'on veut, mais le catch c'était bien mis. Avec le sœur de là, il y a plein de matchs et ça a joué avec le bateau pour tout le monde. Je pense que c'est des matchs. Bon, maintenant, ceux qui ont vu Elina Sel, il me semble que c'est Charlotte qui fait un pouvoir bombe à Sacha Banks sur la table. Bah, je le verrai bah, samedi. Normalement. Allez, Batista. Contre Stone Cold Steve Austin.
c'est le frère de Bray Wyatt. Alors là, ceux qui ne connaissent pas, ils doivent se dire, mais... Ah voilà, c'est PV. Est-ce qu'on va avoir de la chance dans cette pièce? Allez, une super rare. Je sens la super rare. Je sens la super rare. Voilà. On a pas attendu. Sinon, ouais, une ultra rare, une épée, même si ça prenait que des tasses, mais voilà. Tu peux être aussi. Tu peux être, je l'ai pas dit avant, mais maintenant plus. Cesaro, Thomas, Biggie, c'est marrant. Et c'est pas ça, j'ai mis, mais bon. C'est pas mal de pas trop ça, j'ai mis, mais bon. Et voilà, c'est même la fin de ce premier épisode de ma nouvelle série sur WWE. Ok, super bon. Une demande. Une contrainte. Ah oui, je vais vous montrer ça. Sélectionnez votre superstar. Ah oui, il faut que je sélectionne une superstar qui va me battre en puissance contre un adversaire ou... Il peut battre tout le monde en puissance. Ah merde, je devais sélectionner mon adversaire. Oui, c'est comme ça, oui, c'est vrai. Non, lui maintenant, il fera démonter. Lui aussi. Tenter peut-être ça ferait non mais Robustas non plus par contre lui si je le mets ça par contre si je mets ça à lui. Ouais. On va juste faire ça, c'est pour des contraintes, c'est une pyramide, et voilà. On va prier pour tomber sur Vitas Carré. Il va me battre aussi. Bon, il a perdu, donc... Voilà. Hop. Et je vais quand même pouvoir... Attendez, tu allez. Ah oui, il a beaucoup plus de moi. Ouais. Ouais, ça a quand même pété les cartes. On va que je me fasse un meilleur deck. Je crois que vous n'étiez pas aussi doué que vous le pensez. J'ai 80 ans. Bon, ouais. Voilà. Nombre de cette fois-ci. Oui, c'est exactement pareil que... Ouais.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai ici. De la côté. Ou alors on va refaire une petite. Ah non, je vous dis parce que au début j'ai mis une hyper forte. Voilà, puis on s'arrêtera là. Lâchez le like. Voilà. Ça fait toujours plaisir. En fait, je peux jouer mon salaud, c'est de mettre ça, c'est exactement le même, comme j'ai cette partie, bah, je gagne, de fait, ok, ça c'est fait. On prend lui, de toute façon. Il démonte dans tous les domaines. D'accord. Lui, il le démonte dans tous les domaines. C'est un petit peu stratégique. Enfin, là, normalement, je vais essayer. Lui. Il démonte dans tous les domaines. Ouais, normalement, là, j'ai réussi. Et lui, tout simplement, il démonte dans tous les domaines. Voilà. J'allais dire, je vais mettre l'autre, puis pour ça, c'est fini. Et puis voilà. Situation peut-être avez-vous ce qu'il faut après tout. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Demanderin d'Orient, ça sera quoi les petits contrats. Voilà. On est tombé d'ailleurs sur un meilleur deck. Mais bon. Bref, c'est la fin de vidéo. Lâchez le like, partagez, abonnez. Il n'y a pas beaucoup de Français qui font des vidéos sur ce jeu. Il y a beaucoup d'anglais. Mais bon, bref. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et allez. Ciao tout le monde.